Hello my friends, bonsoir, salut, amis miens. Je dis, hein, on est bien dans l'autre coup. C'est Three Tongue Twisters. Donc avant que nous démarrions avec Tongue Twisters, n'oubliez pas d'abonner sur votre confesseur. Et puis on va venir vous expliquer comment on peut prononcer trois Tongue Twisters ça, dans la vidéo ça. De façon à ce qu'on peut sound like a tune of the speaker. Donc pas inquiétez-vous, on va venir dans la vidéo ça, on va le pratiquer ensemble, ok? I'll be back. What is tongue twister? Tongue twister is a great way to practice your pronunciation and become more fluent. Tongue twister là c'est une façon pour que on dit allitération, il là pour pratiquer de façon à ce que on capable à l'aise de parler anglais. Donc nous va démarrer avec quelques. Donc même si pas vraiment un sens, mais on va regarder sur qu'a prononcer mot, right? Donc on va aller. Son pratique n'a fait ensemble. Number one. On va l'enseigner ça. Can you can a can as a canner can a can. Mwen rapple etudyan di LSU, na fè kou nan klas avèk yo. Donc son plaisir pou yo lè ap gade video sa yo. Lè ap fè kou, dizon, lè ap fè kou. Tongue twisters, yo remè sa avil. Number one, can you can, an ale, can you say that? On allez. Can you can? Ah. Can you can? Ah. Faut qu'on dise comme ça. You should be able to say it the same way. On allez. Can you can? Ah. Can you can? Ah. Faut qu'on dise ça. Can you can? Ah. On allez. Can you can? Ah. Can you can? Ah. Can. Can as. Voilà. Can you can? Ah. On fait dire ça. Can as. Can as. Yes, on fait là. Ok? Can you can or can as? Comme ça, c'est or. Mais, li combina S à l'album son Z. On dit, can you can or can as? Can you can or can as? Ok? Here. Can I? Can you can or can as? Allez, let's go! That's alright, try! Can you can or can as all? Canner? Can or can? Can or? Can or? Can or can? Can you can or can as all? Canner? Can or can? On allez? Tout le monde a dégagé. Nous pas dire nos commentaires. Et qui sont plus remèmes, qui sont plus habiles pour dire. Et sont habiles là, on peut écrire pour dire, mais ça plus remèmes moi-même. Et il est m'kazi. Et dès qu'on finit m'kazi, l'autre l'autre, on peut écrire. Dans les commentaires. Très bien, on fait. On écrit pour dire, mais ça m'a dit qu'on y a. Et l'on finit ça, ou qu'on dit l'autre, on écrit dans les commentaires, on m'a dit ça qu'on y a. On allez. Can you can or can as a canner can or can? Ma bille ou même. Can you can or can as a canner can or can? Can you can or can as a canner can or can? Yeah, can you can or can as a can or can? Yes, I can or can as a can or can. Can you say that? Anale. Can you can or can as a can or can? Oh, yes, teacher, I can or can as a can or can. Ça, monsieur, abdi grand, monsieur. Donc, c'est pratiquer ou pratiquer et vous pas à l'aise. Vous souhaitez vous pratiquer premier ça. Number two. Numéro deux. Three, only three words. Seulement trois mots. The first one is she. The second one is sees. And the last one is cheese. Ah, you can see PPTP red. Now, got it. She sees cheese. Yeah, people are not going to read. No, going to read. Wow, that's what I'm going to do. Anale. She sees cheese. She sees cheese. Anale. She sees cheese. She sees cheese. Dégage, je dis. Je vais prendre un peu de temps parce que il m'a des pratiques. Pratiquer, bon. The last one. I saw, mbadzi saw moi-même. I don't say so, I say saw. I saw Susie sitting. I saw, here, I saw Susie. I saw Susie, say that. This I saw Susie sitting. And a.
shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Can we say that? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. She sees cheese. Can you can a can as a can a can a can? Mais c'est like no dude parce que nous avons trois tongue twisters, nous avons avec l'autre tongue twisters pour nous capable master travail fluency non. Et nous souhaitons que nous partagions la vidéo ça, soit apprécié, partager, l'encourager, travailler à faire et nous venir avec une plus belle vidéo. Thank you, see you next.